On a volé ce match, c'est bon ça. Au buzzer en fait. À 6-7. C'est comme ça gros. C'est comme ça. Yo l'équipe, on se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo vlog directement pour le basket tout simplement parce que j'ai match, je prépare et puis il faut que je vous montre ça. Vous avez décidé de mettre un maximum de vues, de regarder ma vidéo, tout ça, bah alors je me tiens de refaire une vidéo sur le match de prépa, tout simplement. Sauf que ça, cette fois-ci, on se déplace archi loin. On va tout simplement à plus de 3-4 heures de route, donc pour un match de prépa, ça fait mal. Ah, il y a Kevin, il est là. Il coupe, il danse. Et... doucement, bébé, vas-y bouge calmement. Je vais te remettre ton médicament. Bébé, si t'as mal, je prends le châtiment. Oh, t'es mal, Sakai. Il va frotter ou défendre. En tout cas, voilà, on est chaud, on a je sais pas combien de temps de route. C'est une équipe qui est plus forte, plus athlétique que celle qu'on a jouée la dernière fois. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et puis ça m'encouragera et let's go, c'est parti. Les gars, vous savez, c'est moi qui va faire le pilote. C'est-à-dire qu'on va chercher le coach. Le coach, il veut pas trop user d'essence. Du coup, il a un Versailles, un truc par ici. Et voilà, du coup, on doit aller le chercher. Oh, il nous attend, ils savent que c'est moi qui conduis. Un salaud. Lui, il attend. Vas-y, les gars, je vais piloter comme jamais. Ah ouais, le minibus. Hey. Oh, c'est resté bloqué. Gros, c'est resté bloqué. Oh, gros, ça reste bloqué. Travaille là. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai pas les papiers du véhicule. Oh, le coach est à la caisse. Bon les gars, comme le coach a choisi un match qui était vraiment loin, on va faire une petite partie de Uno. Donc c'est parti, on va s'occuper, je vais essayer de leur mettre une trick. Donc il y a un Max, mais lui là, il est chaud. Et il y a Kevin, donc let's go. On va voir c'est qui va gagner. Vas-y, miser. Hein ? C'est pour nous habituer à la Coupe d'Europe. Ah voilà, parce que la prochaine fois on prend l'avion. Mettez en commentaire si vous pensez que c'est Kevin qui va gagner. Tapez 1 pour Kevin, tapez 2 pour Max, il va gagner, et tapez 3 pour Delta. Et est-ce qu'on va mettre les plus 4 au-dessus des plus 2? Non. Ah gros. Ça c'est une légende. Plus 4 sur plus 2. Arrête d'inventer. Non, mais on peut regarder les règles. Hein. L'invente. Mais en fait, il y a plein de règles différentes. Comme tu veux, on le fait cette règle ou pas? Non. Okay. C'est flingué. C'est à moi de jouer? Attends, c'est au plus jeune, ouais. C'est au plus jeune. Ah, moi je joue jamais quoi. C'est le plus jeune. Déjà là j'ai pris l'avance. J'ai le nez qui coule, je me mouche sur les sièges, je suis au calme. C'est à qui là? À toi. Oh le bâtard. Il a tous les plus 2 du jeu. Oh papa. Rouge. Ah let's go. Uno. Oh le bâtard. Uno, à votre avis, il a quelle couleur? Vas-y, je pioche. Hein. Kevin assure. Ah ah. Uno pour lui. Non, non, je suis niqué. Ah gros, écoute. Non, n'écoute pas. Ah, vache. J'espère que tu vas pouvoir mettre quelque chose pour niquer. Moi, je l'ai pas. Bien joué. Ah non! Putain! Ah, ceux qui ont tapé 1, c'est Kevin qui remporte! Bon les gars, après cette défaite là de ouf au Uno, on vient d'arriver à Saint-André-les-Vergers. Je sais pas si vous connaissez. On n'est pas prêt de jouer, chef, parce que là c'est fermé. Mettez en commentaire ceux qui ont repris la saison ou pas, ou si je suis le seul à faire pour l'instant les matchs de prépa. Je suis archi choqué, le terrain, je sais pas si vous avez vu. Déjà on est obligé de mettre le masque, je sais même pas quoi. Ça se trouve on va devoir le mettre pour jouer. Mais gros, le terrain c'est pas du parc, frérot. Théma, juste je vais te montrer, gros. Ça nique les jambes, regarde. Non. On se croirait que ça à la S de l'école quand on jouait là. Déjà même on se plaignait, mais là gros. Et la dernière fois, vous m'avez demandé à quoi ça servait ça. En fait, j'avais pris ça, j'avais vu des annonces, je me suis dit ça peut être bien. J'ai testé et c'est pour la récup. Donc voilà, c'est pas mal. Tu fais ici, à la mi-temps surtout. Des fois, quand je suis mort, j'ai mal partout, je fais ça. Et je repars comme s'il n'y avait rien. Donc ça met la récup, ça fait circuler le sang. C'est comme si vous avez une fille qui vous masse. Sauf que bah, la meuf, là, c'est elle. Voilà. Ouais. Tiens, même lui, il va essayer du coup. Ouais.
comme on est que 7 et que le coach va jouer avec nous, normalement ils vont nous prêter deux joueurs. Donc... Est-ce que vous accepterez vous? CGBC, ensemble. Yo les Jim, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le parquet. Bon, y'a pas de parquet. T'as kiffé la voix de Courquette ou pas? Bon allez, c'est parti, on est play. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis là, boum, encore un petit dream, ça shoot, paf, paf. Bon, en soi, le shoot n'est pas beau, mais ça rentre, tout simplement. Hein? Alors là, qu'est-ce qui se passe aussi? Ah oui, la petite coupe à l'opposé, comme il faut. Je reçois la balle. Oh, la petite feinte. Attends, je la remets, parce que, regarde bien. Je sais qu'à l'époque, j'aurais sauté, je me serais fait bâcher, kicker, coco, kicker, lélé. Ça aurait fait BAM! Dame, où est ton ballon? Ça aurait fait ça? Et là, la petite feinte, ça m'a permis de marquer, tout simplement. Allez. Alors là, qu'est-ce que petite réception. Donc là, clairement, on voit très bien que je suis à l'aise dans mon dribble. Et boum! J'aurais travaillé un peu plus mes jambes, j'aurais pu dunker. Donc oui, souvent là, vous ne me voyez pas trop dunker, mais c'est parce que je me remets de blessure. Mais vous inquiétez pas, les dunks vont vite arriver. Enfin, si vous comptez sur moi. Mais dans les commentaires, si j'ai simulé. Regarde, je la remets. Je tombe bien avec mes deux pieds, là, si tu peux voir. Et regarde, je fais genre... Oh, 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 non, oh, oh. Juste pour voir les trois points, mais je les ai pas eus. Dommage. Et la main sur moi. J'aime pas ça. Hop, là j'arrive. Ouh là là, regarde, bouge pas, ça sent le cake. Et non, il me l'a mis sur ma tête. Oui, sur ma tête l'enfoiré. Et oui, là le petit passe à l'opposé. Ça me permet de mettre un shoot à 3 points. Et oui les gars, allez c'est parti. Réception, je la demande. Hop, ça drive directement avec le tour de jeu. Et ça la met sur la panier. Et oui, mais il est chaud quoi. Ah oui, regarde bien. Bon, il y a faute ou pas? Laisse-moi... Dis en commentaire, je suis sûr que la plupart vont dire qu'il y a faute. Mais est-ce que tu es pas d'accord que l'autre simule un peu quand même? Regarde voir. Franchement, regarde son gabarit. T'as vu comment il tombe? Et en plus, l'autre à l'opposé, il aurait pu se faire les croisés. Ouh la genou. T'as vu le genou? T'as vu le genou? Et puis après, bon, le coach qui est pas content et qui s'en prend à l'arbitre. D'ailleurs, c'est pris une technique le coach. Ça paye. Hop, le petit drive, ça c'est le petit drive des familles. Donc on l'en fait juste après, on l'a fait. Je l'ai refait, ça marque aussi. Toujours en essayant de regarder à l'opposé quand même, parce que je me fais gronder. Hop, le rebond. Et oui, il faut être au rebond, malgré ma taille, 1m86. Là, la défense était costaud, le bac, mon frère. Mais il l'a pas mis, ça va. Et heureusement, sur le coach, il aurait gueulé. Tu te laisses enfoncer, tu te laisses trop enfoncer. Vous vous rappelez, la dernière fois, quand la dernière vidéo, je m'épose, je m'étais fait trop enfoncer, je reculais trop et je l'avais dit. Donc là, j'ai essayé de corriger. Et là, j'essaie d'être plus percutant et pas me laisser enfoncer. Donc c'est déjà une progression, on va dire. Hein, il y a une progression. La gros drive, oh la finition. Ah, airball. Heureusement, je prends mon rebond et je la mets dedans. Eh oui, personne s'y attendait, les gars. Eh oui, c'est venu de nulle part. Hop, ça défend. Regarde, franchement, je m'épose. Ils se foutent de moi. Je vous l'ai dit qu'il faut que je bosse mon shoot parce que les gens se foutent de moi. Ils se disent, il va pas mettre, il va pas mettre. Ils regardent où il est. Il est loin. Il laisse shooter. Il dit, ouais, c'est bon, il va pas shooter. Tiens, regarde. Dans ta tête. Et ça, il faut que j'en mette plein. Si ça défend pas, il faut pas hésiter de shooter. En tout cas, les dames, n'hésitez pas à shooter. Shooter sur leur tête. Merde, que tu la mettes ou pas, au moins tu lui dises, oh, je suis dangereux. C'est tout. Y a pas à chercher 36 solutions. Là, attention, contre-attaque. Hop là. Petite contre-attaque qui va bien. À savoir que là, les gars, il y avait 73-79. C'est-à-dire qu'avec ce panier-là, on passe à combien? 73 plus? Bah, plus 2, hein, les gars, c'était 75. On est à 75-79. Il reste plus beaucoup de temps. Ok, il doit rester, je sais pas, pas beaucoup de temps, 20 secondes. Du coup, 73-79. Là, regarde bien, on reprend une contre-attaque. Donc, ça fait 75-79. Donc, là, on est à 77-79. Bon, pour l'instant, on perd. Mais regarde bien, la petite récupération de mon meneur. Il joue dans Romain. Et on passe devant, frérot. Frérot, c'est-à-dire que là, t'étais pas vaillant, t'étais doux. On est à 79 et là, bim, on passe devant. On est à 80, frérot. Regarde comment on est content. On est heureux. On s'applaudit, on est top. En tout cas, juste un truc, les gars, faire ce genre de vidéo, je kiffe sa race. De une, parce qu'au moins, je peux regarder mes erreurs et je les corrige avec vous et j'en ai pas peur. De une, on peut voir aussi ce qui est bien. Et de trois, gros, je te rappelle qu'on sait pas combien de temps on va encore jouer. Donc, éclate tout sur le terrain, perds pas le temps. Perds pas de temps, gros. 79-80 avec le shoot du meneur. Eh, hey, gros. T'as pensé à quoi quand t'as shooté? Pugna maman zot. C'est à ça qu'il pense.
Putain, en tout cas, bien joué, les gars. Les matchs fait 20, match terminé. En tout cas, le coach, il nous voyait déjà perdu. On joue une seconde, match terminé. Le coach, il nous voyait déjà perdre. Enfin, déjà perdre. Et vas-y, c'était chaud avec l'arbitrage et tout. Mais franchement, ça l'a fait. On a pu gagner. Ça s'est fait au buzzer. Ok, ça s'est fait au buzzer. Mais voilà. On a volé ce match. C'est bon, ça. Au buzzer, en fait. À 6-7. C'est comme ça, gros. C'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez kiffé. En tout cas, je continue le vlog parce que sur la dernière vidéo, vous avez été vraiment chaud. À liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se rejoint pour la prochaine vidéo, en tout cas. 22 matchs de championnat, des guerriers tout le temps. Faut tous les gagner. Je veux dire, on va tous les gagner. Ok les gars, c'est bien. Vous pouvez dire. Allez, gars, allez. Il manquait Ludo, il manquait François. On a joué sans le coach. Hein. Yes. Et sans moi. Parce que sinon, on gagne de 20 avec moi. Allez les gars, les JBC, ensemble. On peut se prendre une petite douche. Alors venez avec moi, on va se doucher. Et on peut se doucher. On se douche avec la Covid.